fine. 10 euros, 10 euros. Deux jours plus tôt, le photographe avait découvert sur la plage le travail des bénévoles d'Arkelon, une association dédiée à la protection des tortues kawan en Grèce. Aujourd'hui, Frédéric découvre le camp de base de l'ONG et c'est l'occasion de rencontrer ces bénévoles qui consacrent leur temps et souvent leur argent à cette cause. Mais c'est intéressant de les voir tous réunis comme ça, de s'apercevoir qu'il y a au moins 40 volontaires qui sont là et qui doivent apprendre les consignes strictes pour représenter l'association dans les meilleures conditions. Eux-mêmes doivent être irréprochables pour montrer le bon exemple. Sur le camp, la vie est rudimentaire, un vaste champ d'oliviers où chacun choisit l'emplacement de sa tente, parfois pour plusieurs mois. Arkelon, c'est désormais une référence pour les institutions. Et l'organisation réalise un travail énorme pour protéger et recenser chaque nid. Leur force, c'est leur autonomie grâce à un réseau de bénévoles unique. Chaque année, 500 éco-volontaires du monde entier rejoignent les camps de l'association. Smaro Touliatou, c'est la pierre angulaire de l'organisation. Elle le sait, les bénévoles sont indispensables au programme, mais c'est aussi une aventure humaine pour chacun d'entre eux. Ils ont l'opportunité de connaître des autres hommes, des autres pays qui viennent ici pour la même cause. Mm-hmm. Et je crois que c'est pourquoi ça marche. Oui. Que c'est un effort collectif. Oui. Et nous sommes une team. Mm-hmm. Et on fait tous ensemble. Mm-hmm. Et on habite ensemble. Mm-hmm. Je crois que c'est ça. C'est peut-être pour une tortue qui vit un peu partout dans le monde. Elle a une grande répartition, la Caretta Caretta. On la trouve dans différents coins du monde. C'est intéressant de voir des gens qui viennent partout dans le monde se réunir ici et travailler ensemble dans la conservation. Ils sont des immigrés. Voilà, des migrateurs. Les tortues et les comme hommes. Les tortues. Ouais. Smaro, c'est la personne qu'il faut connaître si on s'intéresse aux tortues sur Zakynthos. Et depuis son arrivée sur l'île, Frédéric entend parler de l'histoire d'une tortue apprivoisée par des pêcheurs. Une histoire qui ressemble plus à une rumeur. Smaro, sans totalement confirmer l'information, indique à Frédéric l'emplacement d'un tout petit port de pêche. Si cette tortue existe, c'est sûrement là. Thank you. Le lendemain, le soleil se lève à peine sur ce minuscule port de pêche. Son nom, Agios Sostis. Seulement quelques quais qui accueillent des bateaux de petite taille. Ici, les hommes pratiquent une petite pêche au filet, souvent très près des côtes. Les pêcheurs sont encore dans la baie. Ils finissent de relever leur filet. Et pour l'instant, aucune tortue en vue. Peu à peu, quelques touristes arrivent sur les quais et commencent à scruter la surface de l'eau. Eux aussi ont entendu cette histoire. Le premier bateau rentre de sa pêche. C'est exactement à ce moment qu'une masse sombre apparaît. C'est bien la fameuse tortue. Elle se déplace tranquillement sous la coque des navires amarrés. Les pêcheurs l'appellent Sotiris. En fait, c'est un grand mâle. L'histoire raconte que l'animal était profondément blessé et n'arrivait plus à se nourrir. Les pêcheurs du petit port ont alors commencé à lui jeter les restes de leur pêche. Depuis, Sotiris vit à l'année dans la baie. Elle n'a plus peur des bateaux, et d'après les pêcheurs, elle reconnaît le bruit de leur moteur. Pour elle, c'est le signal qui annonce son repas.
À chaque objet jeté à l'eau, Sotiris se précipite. Les tortues kawan ont un régime alimentaire varié et sont particulièrement opportunistes. Adultes, elles mangent du poisson, des crustacés, des mollusques et même des oursins. À la maturité, on reconnaît facilement les mâles. Ils ont une plus longue queue et de plus grosses griffes que les femelles. Brusquement, Sotiris change de comportement. Une autre tortue plus agressive vient de chasser la résidente. Ce n'est pas inhabitué. Elle a déjà été en contact avec les hommes puisqu'elle porte une balise sur la carapace. Voilà peut-être une nouvelle source d'inquiétude pour les protecteurs de ces tortues, puisque ce comportement n'est pas naturel. Le risque serait que d'autres tortues sauvages imitent Sotiris et attendent dans le port pour s'alimenter. Un éventuel problème qui ne concerne que les mâles, puisque les femelles sont à Zakynthos pour pondre, période pendant laquelle elles ne s'alimentent pas. L'intrus rôde quelques minutes, puis disparaît aussi vite qu'il est arrivé. Sotiris retrouve le calme de son territoire artificiel. La tortue disparaît parfois plusieurs jours, mais finit toujours par revenir dans le petit port. Avec le temps, les pêcheurs se sont attachés à l'animal et s'amusent de son succès auprès des touristes. Singulière anecdote, quand on sait les dégâts involontaires que causent les filets partout dans le monde sur ces animaux. La mission touche à sa fin. Et malgré une météo changeante, le photographe continue d'enchaîner les plongées. Il le sait bien, chaque nouvelle exploration de la baie peut réserver son lot de surprises. Laurent Sourbès, responsable du parc national, a rejoint Frédéric pour aller voir les animaux qu'il protège toute l'année. Même si son poste au sein du parc ne lui permet pas toujours d'être sur le terrain, il enfile ses palmes le plus souvent possible, ce qui lui permet de voir concrètement l'évolution de l'écosystème de la baie et surtout l'efficacité de la protection. C'est évident qu'il y a un effet de réserve qui est en train de se créer. Il a fallu se battre pour ça, par rapport notamment à la pêche illégale. Mais parallèlement, l'effet de réserve par rapport à la faune qui serait donc la tortue. Bon, là, on ne peut pas parler d'effet de réserve dans la mesure où ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a limité l'impact du développement. C'est-à-dire que c'était, à mon avis, arrivé à un point critique par rapport à l'espace libre pour la nidification des tortues marines. Et donc ça, c'est sûr qu'on a stoppé là où ça, où la consommation de l'espace s'était faite jusqu'au début des années 2000. Ça a été arrêté net du fait de notre présence. Et ça, par contre, on ne peut peut-être pas parler d'effet de réserve, mais en tout cas de maintien de l'état, d'un état favorable à la nidification et à la protection. Alors ça, oui, ça c'est effectif, ça c'est une vraie réalité. Beaucoup de choses ont changé depuis l'arrivée du parc national. Les conflits sont parfois terribles avec les habitants qui doivent changer leurs habitudes. Et là où les hôtels ont les pieds dans l'eau, les nids de tortues se retrouvent au milieu des touristes. Finalement, le rôle du parc dépasse de loin la simple surveillance. Il doit trouver les solutions pour protéger, orienter les décideurs vers une politique d'écotourisme, et tout ça sans léser la population locale. La protection sans le développement, surtout quand on a affaire à un espace comme ça, qui est quand même très grand, très difficile à surveiller, c'est quasiment ingérable. Donc on a besoin d'avoir un développement en même temps, c'est-à-dire d'avoir des activités, d'avoir des liens avec les communautés locales, de coopérer avec eux, mais tout ça sous le couvert aussi de la protection et en respectant des règles. Je pense que c'est dans l'intérêt aussi des populations, et notamment des populations locales. Parce que les autres types de développement qu'on connaît ont une fin de cycle de vie. Donc là, par rapport à ce type de développement, on est vraiment au début du cycle de vie, donc il y a un avenir. Je ne crois vraiment pas que le tourisme de masse, notamment au niveau compétitif, dans les espaces méditerranéens, notamment européens,
c'est pas compétitif, c'est plus compétitif par rapport à d'autres espaces qui sont effectivement très compétitifs. Donc il faut qu'on offre des solutions alternatives et vous comprenez que dans ce cadre-là, la création de parcs nationaux ou de parcs régionaux joue ce rôle-là. Depuis la création de ce parc marin, en 10 ans, 27 autres parcs ont vu le jour en Grèce. À première vue, une véritable victoire pour la nature. Mais la Grèce traverse une crise économique sans précédent. Et alors que les agents des parcs demandent plus de moyens financiers et plus d'autonomie pour assurer le fonctionnement des parcs sur le long terme, dans le contexte actuel, la préservation de l'environnement ne sera probablement pas une priorité. Sa dernière plongée, Frédéric a choisi la plage de Gerakas, un des sites vitaux pour les tortues kawan de Méditerranée. Là, je suis assez content parce qu'il y a du vent, mais c'est un peu posé quand même le plan d'eau. Donc je vais aller me mettre à l'abri de la falaise ici, là, et rester un peu au-dessus des rochers qui sont là pour essayer de trouver des tortues. Hier, il y en avait à peu près 8 dans ce secteur. Et soit elles sont au-dessus du sable, à peu près devant nous, là, soit sur les rochers ici. Voilà. On verra bien. Encore une fois, le photographe n'est pas déçu. 15 jours après sa première plongée, les femelles sont de plus en plus nombreuses dans l'immense crique de la Ganas. Et les rencontres se multiplient. Dans l'action, un photographe est toujours concentré sur l'image. C'est son travail. Et l'appareil qu'il tient entre les mains atténue souvent l'émotion qu'on pourrait avoir au moment de la rencontre. Pourtant, durant ces 2 semaines, évoluer aux côtés de ces reptiles primitifs a bien sûr marqué le photographe. C'est surprenant de voir un animal aussi ancien. Alors c'est des tortues à 200 millions d'années, donc il y a vraiment quelque chose de particulier entre nous qui sommes très évolués et puis ces animaux archaïques qui sont encore là et qui pourtant semblent très résistants, qui sont très très bien adaptés au milieu marin. C'est vrai qu'on peut les imaginer à côté des tout premiers mammifères. Voilà, ça c'est assez surprenant. Frédéric repart avec plus de 2400 clichés. Très peu seront sélectionnés pour le livre. Elles devront magnifier l'animal et interpeller le lecteur. On espère que les images permettront aussi de sensibiliser le plus grand nombre des gens qui n'imaginent pas que ces sites sont des lieux de reproduction aussi importants. Beaucoup ignorent aussi qu'il y a des tortues simplement en Méditerranée. Donc voilà, c'est un petit peu ça aussi le but de ces missions. Il n'y a pas un instant particulier qui va me marquer dans ce reportage, c'est plutôt tous les moments passés dans l'eau à explorer, à découvrir un nouvel écosystème et à finalement à rencontrer beaucoup de tortues. J'en ai peut-être croisé une quarantaine pendant cette semaine et ça c'est un bon souvenir parce que quarantaine de tortues sur les peut-être 400 qui sont dans la baie, ben c'est quand même rassurant de savoir qu'elles sont là et qu'on peut les voir encore aujourd'hui assez facilement ici.
la tortue marine, c'est un des animaux emblématiques du grand large qu'il doit capturer à l'image. Il en reste beaucoup d'autres. Et le photographe est déjà tourné vers sa prochaine mission. L'île de Zakynthos a tenu ses promesses. Les tortues continuent de venir en nombre dans cette baie de Laganas, en faisant d'elle le premier site à protéger si on veut laisser une chance à ces tortues kawanes de survivre en Méditerranée.